Tandis que la saison estivale bat son plein, le mercato se poursuit sur le petit écran français en prévision de la rentrée de septembre. C'est ainsi que la chaîne BFM Télévision a notamment enregistré l'arrivée de Laurent Ruquier sur son antenne. Côté départ, Aurélie Casse, qui officiait jusqu'alors chaque soir sur la chaîne d'information, a rejoint les rangs de France Télévisions. À l'avenir, la journaliste de 37 ans fera partie des équipes de C'est l'Hebdo et de C'est à vous sur France 5. Le 13 juillet, elle a fait ses adieux aux équipes et téléspectateurs de BFM Télévision. De temps en temps, la jeune femme partage des fragments de son quotidien sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle a fait, sur son compte Instagram, vendredi 28 juillet. Dans une publication qui se compose de 10 clichés, la journaliste a évoqué la disparition d'un être cher, Gino, son chien adoré. Ton regard enveloppant me manque terriblement, a notamment écrit celle qui partage la vie d'un journaliste. Supérieur à supérieur à supérieur à Léa Salamé, Pascal Pro, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Aurélie Casse, je revois ton corps malade. Dans le même contexte, Aurélie Casse a fait allusion à ces doux moments, qui, ne reviendront jamais, je revois ton corps malade se soulever de joie à la vue de ton collier vert, le collier des souvenirs heureux, des promenades qui n'en finissaient pas dans la forêt. L'instant d'après, la trentenaire a cité le poète britannique Lord Byron, qui disait que son chien avait la beauté sans la vanité, la force sans l'insolence, le courage sans la férocité, toutes les vertus de l'homme sans ses vices. Les internautes lui ont fait part de leur soutien des propos remplis d'amour et d'émotion auxquels les abonnés d'Aurélie Casse ne sont pas restés indifférents. Nombre d'entre eux, qui ont peut-être été affectés par la perte de leur compagnon à quatre pattes, ont tenu à lui faire part de leur soutien. Parmi les messages, on peut citer les suivants, « Je pense à vous ». L'horrible douleur s'estompera, mais le bonheur qu'a été sa présence demeurera, oh non, toutes mes condoléances. Je sais que tu l'aimais tant. Un petit ange au ciel, courage, on les aime tellement nos petites bêtes, plein de pensées ou encore votre magnifique toutou restera dans votre cœur à tout jamais et vous regarde de là-haut. Quelques mots qui ont certainement touché la journaliste endeuillée. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.